Le tailleur de mon frère. En attendant notre tour, j'ai commencé à observer comment ce tailleur crée des vêtements prêts à porter. Avec un mètre ruban suspendu à son cou, ce tailleur prend les mesures du client. Sans cette étape, il ne pourra pas coudre les habits. Après cela, il dessine le patron et étudie le modèle avec soin. Ensuite, il réalise avec agilité la coupe du tissu et passe à la couture. Ce tailleur choisit son matériel, les fils en couleur, les aiguilles nécessaires, les épingles et les ciseaux. Le tailleur de mon frère. En attendant notre tour, j'ai commencé à observer comment ce tailleur crée des vêtements prêts à porter. Avec un mètre ruban suspendu à son cou, ce tailleur prend les mesures du client. Sans cette étape, il ne pourra pas coudre les habits. Après cela, il dessine le patron et étudie le modèle avec soin. Ensuite, il réalise avec agilité la coupe du tissu et passe à la couture. Ce tailleur choisit son matériel, les fils en couleur, les aiguilles nécessaires, les épingles et les ciseaux. Le tailleur de mon frère. En attendant notre tour, j'ai commencé à observer comment ce tailleur crée des vêtements prêts à porter. Avec un mètre ruban suspendu à son cou, ce tailleur prend les mesures du client. Sans cette étape, il ne pourra pas coudre les habits. Après cela, il dessine le patron et étudie le modèle avec soin. Ensuite, il réalise avec agilité la coupe du tissu et passe à la couture. Ce tailleur choisit son matériel, les fils en couleur, les aiguilles nécessaires, les épingles et les ciseaux.